dit, Étienne, Terreur à Malibu, c'est comme un Massacre à la tronçonneuse, mais en mille fois pire. Paraît qu'il n'y a pas une scène où il n'y a pas au moins une goutte de sang. C'est censé me donner le goût d'aller le voir. Ben oui, il me semble. Ah, ah c'est vrai. J'oubliais, toi, tes goûts en cinéma sont assez... Assez quoi? Ben, ordinaire. Genre que toi, t'aimerais mieux aller voir Mademoiselle Chose va cueillir des fleurs. J'en ris pas quand même, là. C'est pas parce que je trippe pas sur les massacres à la scie que je suis devenue une fille. Ben, parce qu'à ton avis, les filles aiment juste les niaiseries. Ah? Non, 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 je disais pas ça, là. Je l'ai vu, Terreur à Malibu. C'était cœur, hein? Dans tous les sens. Faut avoir le cœur solide pour tenir jusqu'à la fin. Ah, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis capable d'en prendre. T'aimes vraiment ça? Le gore? Ben, le gore, les films d'horreur là, avec ben du sang, puis des tripes, puis plein d'affaires écœurantes. On appelle ça du cinéma gore. Oh ouais, je sais. Regarde ça. Hein, wow! Un festival de films d'horreur? Rien que ça. 24 heures par jour pendant 7 jours. Ah. Hey, celui-là, j'en ai entendu parler. L'ombre de la 6e avenue. Il paraît que tu vois plus jamais ton ombre de la même façon après avoir vu ce film-là. Ah, ben peut-être que j'aimerais ça, là. Ouais, je le sais, ma chum l'a vu, là, puis elle m'a dit qu'elle a jamais eu aussi peur de toute sa vie. Hey, mais c'est aujourd'hui, ça? 4h10, on aurait juste le temps. Ben, on y va? All right! Avec lui, là, il courait où, comme ça? Il courait au cinéma, imagine-toi donc. Au cinéma? Ouais. Au cinéma avec Lina. Je comprends pas. Premièrement, il m'a dit qu'il faisait quelque chose avec toi après l'école. Ben oui, on était censés aller voir un film ensemble. Comme tu peux voir, les plans ont changé. OK. Puis deuxièmement, comment ça avec Lina? Comme ça. Rien là, Karine. C'est juste parce qu'elle trippe sur les films d'horreur, comme lui. Il t'a planté là, comme ça. Ouais. Mais moi aussi, ça m'avait évité. Ah, veux-tu pas me dire ce que vous lui trouvez à cette Lina-là? Tous les gars s'intéressent à elle, puis elle a même pas un vrai nom. Alors, qu'est-ce que je te dis? Elle est tripante comme fille. Elle est différente. Elle est intelligente, puis elle est super allumée. Elle a pas la langue dans sa poche, puis quand elle parle, c'est pas pour rien dire. Elle s'intéresse à plein d'affaires. Elle a du caractère. OK, OK. Elle a du guts. C'est beau, Étienne, hein? J'ai compris. Imparfait. Puis pour la semaine interculturelle, j'ai pensé à un pique-nique ethnique. Pique-nique ethnique? C'est pas facile à dire. Pique-nique ethnique. C'est vraiment drôle. Attends. Pique-nique ethnique. Pique-nique ethnique. Non, pique-nique ethnique. Ben oui, on t'écoute. Bon, ce serait un repas pour lequel chaque participant apporterait un plat d'un pays différent. C'est le fun, j'en ai parlé un peu, puis j'ai déjà un couscous, des pierogies, puis moi j'apporterais des papas rellena. C'est un plat que j'ai mangé au Pérou. Puis aussi, ceux qui en ont pourraient apporter des accessoires qui vont avec le plat, comme des napperons. Ceux-là viennent du Pérou. Mais aussi la vaisselle, comme Moussad pourrait amener une tagine pour son couscous. Oh! Oh, Fritz, tu pourrais faire un griot avec des acras! Ah, maison! Puis on pourrait publier les recettes dans le journal étudiant? Bonne idée! Super ton idée, Constance. Même qu'on devrait élargir le concept puis étaler ça sur plusieurs jours, au lieu de faire seulement de la bouffe, on devrait faire des journées thématiques avec la musique. On pourrait faire, je sais pas moi... Un lundi haïtien avec la musique créole. Un mardi péruvien avec la flûte de pan. Un mercredi algérien avec du rail. Wow, c'est vraiment cool! Je pourrais évidemment m'occuper de la thématique haïtienne. Oh, attends de goûter à ces acras, c'est à mourir tellement c'est bon. Je vais tout de suite faire une liste de ce que je vais préparer. Wow, une minute, là. C'est correct ce que tu proposes, Fritz, mais... C'est trop compliqué. Moi, je parle d'un seul dîner avec des repas de pays différents. Toi, tu voudrais une semaine avec de la musique. C'est pas mal plus d'organisation. Ça me dérange pas de m'en occuper si tu trouves ça trop gros. Mais c'est pas juste ça. Je trouve que des repas avec des plats variés, c'est plus intéressant. En quoi c'est plus intéressant? Mettons que quelqu'un aime pas la musique puis la cuisine haïtienne, disons.
Il peut toujours se rabattre sur autre chose. Wow! C'est impossible de pas aimer la culture de mon pays! OK. La musique et la cuisine péruvienne, si tu préfères. Ça n'a pas d'allure, Fritz. T'imagines-tu préparer 5 thématiques différentes? C'est pas un problème. Il s'agit juste de trouver un responsable par jour, puis on en a déjà deux, toi puis moi. Puis moi, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Mais je m'en vais. J'ai plus envie d'en parler. Ça, c'était le 6e qu'on a vu. Le 7e? Attends, on en a vu 8. Bon, je m'en souviens plus, on en a tellement vu. C'est pas grave, c'était celui-là le meilleur. Il y a une scène dans ce film-là, écoute ça. Ils sont 10-12 dans l'ascenseur. Là, la porte s'ouvre, puis le gars de métal est dans la porte, il les attendait. Plein de couteaux partout, il est en sang, ching, ching, ching. Là, il se prépare à rentrer, tout le monde crie, mais tu comprends bien que personne peut sortir. Le gars, il s'avance, il rentre dans l'ascenseur, puis là, ça commence, mon gars. Hey, salut Constance. Ça va? Oui, ça va. On vient t'asseoir avec nous? OK. En tout cas, là, Lina s'est mise à crier « Il y a quelqu'un en dessous de mon banc! » T'imagines-tu? La panique totale dans le cinéma. Tout le monde hurlait. C'était trop drôle. Il y a même un gars qui a carrément viré son siège à l'envers. Parlant d'elle, faudrait que je la trouve. On s'est dit qu'on y retournait après l'école. Où ça? Au Festival Gore. Hey, je pense que je l'ai vue. Lina, attends un peu. Il est pas reposant, lui, aujourd'hui. Non, pis c'est rien, ça. Ça fait 3 jours que ça dure. Il tripe ses films d'horreur, ça en est rendu une maladie. Pis j'espère qu'il va guérir bientôt parce qu'il commence à me tomber ses nerfs, là. Hey Manolo, merci d'avoir fait jouer cette belle musique de mon pays, Haïti. Salut la gang, ici Fritz Dessalines. Je prends 2 petites minutes pour vous inviter à un événement à ne pas manquer. Lundi, le 18, date à mettre à votre agenda, tout le monde est invité à dîner à l'école. On fait un pique-nique haïtien sur fond de musique créole. Préparez-vous, ça va être divin. Manquez pas ça, lundi, le 18. Ah, c'est bien cool ça. Constance, ça va? Ouais, je pense que je vais m'inscrire au foot. Il y a des ateliers de peinture. Ça me tente. Excusez. Oh, salut, Lina. Salut. Tu skates en plus. Je veux dire, tu skates, c'est plus. C'est certain que je skate. Pas toi? Ah oui. Ben, oui, voyons, là, c'est sûr. Ben, t'inscris-tu? Ah, je sais pas. C'est quand? Le mois prochain. J'ai déjà pas mal de monde, hein, fait que si ça t'intéresse, faudrait que tu le fasses maintenant, parce que je pense qu'il va falloir limiter les inscriptions. Ah, je sais pas, là. Vite de même, c'est... Ben, envoye donc! On va triper! OK. Hey, inscris ton nom. Pis toi? Moi? Bof, je suis à peu près aussi agile qu'une patate sur un skate, ça fait comme... Non, c'est pas vraiment mon sport. Ah non? Ben c'est quoi ton sport? Hein? T'es bon en quoi? Oui, ben, je suis bon en plein d'affaires, tu sais, je fais du... Je suis bon en... En face! C'est son domaine, hein? Il est super bon en face. Bon, on va y aller, hein, parce qu'on va être en retard. Ouais, bye. Lina, dis-le pas à Simon que je me suis inscrite à la compétition de skate, OK? Ça va être une surprise. Mais hein, ça va être une surprise. C'était mon idée. Capote pas, c'est encore ton idée. Elle est juste un petit peu modifiée. Mais t'avais pas d'affaire à la modifier? Là, tu m'as volé mon idée pour avoir tout le mérite. Mais voyons donc, j'en veux pas de mérite. Je veux juste faire une activité qui va attirer plus de monde possible. Mais t'es correct comme je l'avais proposé, l'activité. Ben là, elle est encore meilleure, puis je suis pas seule à le penser. Ouais. C'est sûr que ta blonde pense comme toi. Pas juste elle. Tout le monde à qui j'en ai parlé. Même Madame Doucette, elle préfère mon idée. T'es allée voir Madame Doucette? Non,
Je suis pas allé la voir. J'y en ai parlé, puis c'est tout. T'as pas besoin de faire une crise de nerfs. Moi aussi. Je pense que c'est notre meilleur. Oh, ouais. Hey! Lina, hein, il faut que je te dise quelque chose. En fait, j'ai une révélation à te faire. C'est la première fois que. Ben. Que j'ai une chum de gore. Ça! T'es con! J'ai tellement eu peur que tu me fasses une déclaration d'amour! Je le sais, c'est ça le but. C'est le fun avec toi. Tu sais, pour une fois que je peux faire des farces plates sans avoir peur que, qu'une fille l'interprète mal. Ouais, fais-toi pas pour ça. Moi, là, j'interprète pas. Tu dis ce que t'as à dire, puis c'est ce que j'entends. C'est tout. Ah, Karine! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue chercher quelque chose que j'avais oublié. Je vous dérangerai pas longtemps. Ben non, voyons, tu ne déranges pas, au contraire. Hey, Simon, est-ce que je t'ai montré la liste des participants à la compétition de skate? Non. Ah ben, je vais te montrer ça. C'est assez intéressant. Ah, c'est-tu plate? Je l'ai pas. Ben, tu me la montreras une autre fois. Toi, ça veut dire ça, Simon, que Karine pis moi, on a un passe-temps commun? Non. Ouais, monsieur. Enfin, ça paraît pas comme ça, là, mais on s'intéresse aux mêmes choses, hein. Je suis sûre qu'on pourrait être des bonnes amies. Savais-tu que Justin Blondeau a cassé avec Jessica Beaulieu? Pas pour vrai! Mm-hmm. Depuis quand? Il paraît qu'hier, après le dernier cours, au lieu d'aller dîner avec elle, il est allé jaser avec Rebecca Poitras. Non, je pense pas. Karine, veux-tu venir au cinéma avec nous? Vous allez voir un autre film horrible, je suppose. Non, merci. Là. De toute façon, j'ai quelque chose à faire. Je vais aller chercher ce que j'ai oublié dans ta chambre, puis je vais y aller. Attends! Donne-lui son cadeau. Ah oui, mais oui, c'est vrai! J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau! Tu vas voir, c'est quelque chose là, de vraiment spécial. Ça sera pas long, j'arrive. Yeah. C'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Mais t'es ben niaiseux! Oh, Karine, c'est une blague! C'est juste drôle! C'est quoi, finalement, le passe-temps que vous avez en commun, ma blonde pis toi? Ben, toi, voyons! J'en reviens pas que Simon t'ait prêté son précieux skate. Ah, j'ai pas dit qu'il me l'avait prêté. J'ai dit que je l'avais emprunté. Hein? Es-tu folle? Et tu l'as pris sans lui dire? Ben oui, pis après, là, c'est juste une planche, hein, je vais quand même pas la détruire. Mais non, mais des égratignures! Ah, je vais faire attention, là. Allez, dis-moi ce qu'il faut faire. Je peux bien te montrer ce que je sais faire, mais c'est pas grand-chose, je te l'ai dit. Je sais, là. Vas-y, puis je me débrouillerai pour le reste. Ce serait pas plus simple de juste effacer ton nom. Non, je veux vraiment apprendre. On a quasiment pas d'activité en commun, mon chum pis moi. Bon, OK. On va commencer par... Mais non, Karine, tu vois quand même pas ce qu'il a été avec ça dans les pieds? Hey, c'est juste pour pratiquer, là. Allez, dis-moi ce qu'il faut faire. Mais tu vas te casser la gueule, les souliers, c'est ça qui est le plus important. Arrête donc, là, de dramatiser. Moi aussi, je vais te montrer que j'ai du guts. Non, non. Attends, Karine, tu sais pas... Es-tu correct? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille sur un projet qui me tente plus du tout. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je suis censée travailler en équipe avec quelqu'un que j'ai bien de la misère à endurer. Puis le pire, c'est que c'est le chum d'une de mes amies. Ah oui?
C'est qui? Fritz Dessalines. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que un, Fritz m'a raconté ta crisette de ce midi. C'est déjà pas fort. Et deux, il paraît que t'as de la misère à endurer le chum d'une de tes amies. Écoute, Chloé, ça n'a rien à voir avec toi, là. Mais oui, ton chum m'énerve. Je regrette, mais c'est comme ça. Mais pourquoi? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui, mais on dirait qu'il a changé depuis qu'il est revenu d'Haïti. Plus question de parler avec lui sur aucun sujet ethnique, hein? Monsieur a toujours raison, personne ne connaît rien sauf lui. Il est vraiment rendu fatigant. Tu serais pas un peu jalouse, Constance? Jalouse? De qui? De quoi? Jalouse de Fritz? Avant, t'étais la seule de la gang à avoir voyagé, à connaître d'autres cultures. Ça faisait bien ton affaire, hein? Tu l'as pas en doute? Fritz m'énerve parce que... il est énervant. Ça me fait de la peine quand tu parles de lui comme ça. Mais il m'a volé mon idée, Chloé. Puis en plus, il est allé voir la directrice pour proposer son idée à lui. C'est pas correct. Mais son idée était meilleure que la tienne, Constance. Il y avait juste à m'en parler avant d'aller voir la directrice. Mais il t'en a parlé, tu voulais rien entendre. Mais c'est mon idée, j'avais le droit de faire ce que j'en voulais. Oh. Bouge pas. Mais laisse tomber, Karine, ça sert à rien, t'es aussi poche que moi. Oui, mais avec beaucoup de pratique... Karine, Simon, il t'aime comme t'es. À la place, mets-en sur tes forces pis tes qualités. Je sais même pas si j'en ai. Ben oui, t'en as. Tout le monde en a. Comme quoi, mettons? Ben, t'es généreuse, hein? T'es gentille, t'es amicale, t'es serviable. Oh. T'as un super bon sens de l'humour, hein? Pis t'es douée en art pis en esthétique. Hey! C'est vrai, ça? Hein? Je vais utiliser mes talents en esthétique pis je sais exactement ce que je vais faire. Quoi? Tu vas voir. Viens me rejoindre ici à 7 heures, OK? OK. Tu sais, Chloé, toi et Fred, vous êtes deux personnes différentes, hein? C'est pas parce que j'ai un problème avec lui que je suis nécessairement obligée d'en avoir un avec toi. Je sais. Mais je peux pas faire comme si t'étais pas là, hein? Ça m'affecte moi aussi. C'est sûr, mais c'est pas à toi de régler notre chicane. Peut-être. Mais si vous la réglez pas, quoi? On arrête de se voir en gang tous les quatre avec Manolo parce que... mon chum te tombe sur les nerfs? Mais non. Toi aussi, tu pourrais faire un effort, Constance. C'est vrai que Fritz est entêté des fois. Penses-tu que je le sais pas? Mais il y a un tas de belles qualités aussi. Il me semble que ça compense, non? Allô? Allô? J'arrive. Constance? T'avais raison quand tu disais que j'aurais pas dû aller voir Mme Doucette sans t'en parler. C'est vrai que c'était ton idée pis que j'aurais pas dû faire ça. Ça fait que... je suis retourné la voir pour lui dire que c'était ton projet pis que tu le ferais à ta façon. Ah ouais? Donc, on revient à mon idée de faire un seul dîner avec des plats de pays différents. Fais-le comme tu veux, c'est ton projet. Moi, je débarque. Ben, moi aussi. Il m'énerve! Tadam! Hé, Karine, qu'est-ce que t'as fait là? Quoi? Mais le skate! C'est 100 fois pire que des égratignures! Tu trouves? Ben, je trouve ça cute, moi! Tu penses qu'il aimera pas ça? Oh.
Pauvre toi. Ça, là, c'est à cause des maudits hot dogs géants. Moi, au cinéma, je mange juste du popcorn. Avec du popcorn, il n'y a pas de risque, à condition de ne pas mettre de garniture. Hein. Des fois aussi, je mange de la réglisse. Mais avec de la réglisse, il n'y a pas de chance d'être malade. Ben, c'est sûr que si tu mélanges les deux, le popcorn, la réglisse... Oh, arrête, Karine, je t'en supplie, mon cœur le supportera pas. Oh, pauvre chouchou. Oh, c'est même pas les hot dogs géants. J'en ai pas mangé. C'est le gore. Je suis plus capable. Il me semblait que t'adorais ça. Ouais, je pense que j'ai exagéré. À petite dose, ça allait, mais là, 10 films d'horreur en 4 jours, c'est plus que trop. Le dernier, il m'a achevé. Quand le gars est arrivé dans la boucherie, puis que le boucher... Oh, arrête, arrête! Hein, tu vas encore être malade, puis... Moi, j'en peux plus d'entendre parler de gore. OK, on change de sujet. Ça veut dire que, ben, si tu t'intéresses plus à ça, tu verras plus ta chum de gore. J'abandonne le cinéma d'horreur, mais Paulina, c'est une super bonne amie, elle est vraiment cool. Dis-moi donc, c'est quoi l'affaire? Lina m'a dit que tu t'étais inscrite à la compétition de skate. C'est une blague? Oh, la traite! Quoi? Quoi? Ah, ben oui, ben oui, ben oui, c'est une farce, là. Qu'est-ce que tu penses? Tu connais Étienne, il s'est mal niaisé, puis... En tout cas, parlant de skate... Tiens. Dis rien, là. J'ai fait ça pour te faire plaisir. Si t'aimes pas ça, là, je vais remplacer. Je te jure que je vais t'en acheter un autre. C'est toi qui l'as fait? Oui. Comment? J'ai utilisé un vieux airbrush que mon oncle graphiste m'a donné. Hey, c'est vraiment cool comme technique. C'est comme une canette de peinture, mais le trait, là, il est comme 1000 fois plus fin. Hey, tu peux faire plein d'effets. Mmh. Oh, c'est vraiment génial. C'est vraiment beau, Karine. Tu l'aimes? Ouais. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Oh, yes! Ça veut dire que c'est réussi. Regarde. Ça, ben, c'est le S de Simon. Puis ça... Ben oui, c'est un cas pour Karine. C'est nos initiales, mais personne va le savoir. Cool. Comme ça, ça va rester entre nous deux. Oh, merci, t'es fine. Là, j'ai vraiment le plus beau skate. Vous s'ennuyez de toi ces derniers jours? Où est-ce que tu te cachais? Ben, j'étais pas loin. Est-ce que t'as fait de bon pendant que je me levais le cœur au cinéma? Ben, rien de spécial, là. Je me suis inscrite à un atelier de peinture au Centre des loisirs. Ah ouais? T'es déjà bonne, tu vas devenir encore meilleure. Une grande artiste. Bof, c'est pas vraiment mon but, là. Ça me fait du bien de faire de la peinture, c'est ça qui est important.